bien, salut à tous, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire partager Mafia 3, un petit jeu que je me suis acheté il n'y a pas longtemps. Je vais faire une petite série de plusieurs épisodes, on va découvrir le jeu ensemble. Si vous aimez la vidéo, je vous invite à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Et je vais vous laisser le plaisir de découvrir la cinématique sans commentaire. Visitez le quartier français historique et goûtez à la cuisine locale dans un de nos restaurants 5 étoiles. Les tuer, c'était pas suffisant. Lincoln Clay les utilisait pour faire passer un message. Ou passer l'après-midi dans le bayou pour entrer en communion avec la nature. Sal Marcano était loin de se douter de ce qu'il allait déclencher. New Bordeaux, sûr, idéal pour toute la famille. Faites-en votre prochaine destination pour les vacances. Cette ville a survécu à la guerre de 1812, à la guerre de sécession, à je ne sais combien d'ouragans. Mais dans sa vendetta contre la pègre, Lincoln Clay l'a meurtri bien plus que toutes les guerres et toutes les tornades réunies. La mère de Lincoln l'a abandonné en 1947, quelques années après sa naissance. Sa mère, j'ai cru comprendre qu'elle était dominicaine. Son père, j'ai toujours cru qu'il était... Donc d'après ce que j'ai compris, on incarne Lincoln Clay. À l'époque, si vous ressembliez à un noir, vous étiez noir. Pareil qu'aujourd'hui, j'imagine. Il est resté à l'orphelinat jusqu'en 1958. Quand avez-vous rencontré Lincoln Clay? En 1966. Je dirigeais les opérations spéciales au Laos pour le compte de la CIA. On me l'a envoyé via une unité opérationnelle de la CIA et du ministère de la Défense. Il était calme. Un gentil garçon. Deux Purple Hearts, une étoile de bronze et la croix du service distingué. Lincoln Clay a servi son pays avec honneur et dévouement. Quand la ville a fermé l'orphelinat, il a fréquenté Sammy Robinson. Sammy dirigeait la pègre noire à Delray. Je peux pas dire que je cautionne. Mais les orphelins de couleur n'avaient pas beaucoup d'autres choix à l'époque. Des garçons comme Lincoln, ceux qui ont été abandonnés, cherchent toujours un foyer. Un endroit où ils se sentent à leur place. Selon moi, c'est ce qu'il espérait trouver dans l'armée. Le problème, c'est que... une fois qu'on l'a perdu, il est difficile de le retrouver. Hein. Quand il est revenu de la guerre, Lincoln s'est retrouvé chez Sammy, qui devait un gros paquet de fric à la mafia italienne. Et il avait besoin de l'aide de Lincoln. C'est dramatique ce qui est arrivé. Ça me fend le cœur. Ok, ça va commencer. Donc vous me direz dans les commentaires si vous préférez que je passe les cinématiques ou pas, il n'y a pas de problème si c'est le cas. Donc d'après ce que j'ai compris, on est Lincoln Clay, on est un ancien, une ancienne petite frappe qui faisait partie légèrement de la mafia. Et on est parti au Vietnam et là on en revient. Donc c'est quelques temps après notre retour du Vietnam. C'est rien comparé à ce qu'on va se faire. C'est tout ce qu'on doit brûler ? Ouais, voilà. Chope les clés du camion, qu'on puisse foutre le camp d'ici. Mec, va chercher ces clés. Donc les graphismes ont l'air d'être pas trop mal. C'est une bonne idée de le laisser comme ça. Il est venu avec le camion comme on lui a demandé. Il a même tué son partenaire pour arranger le tout. Mais si t'as un doute, pourquoi prendre le... Surtout les graphismes de cinématique. Pas de témoin ici. Putain. Il faut qu'on se casse. T'as les clés, tu conduis. Allez, viens, on se tire. On peut pas encore courir. Donc il va falloir prendre ce camion. A priori, on a volé un gros paquet de thunes, j'imagine. Et c'est parti.
Roule tranquille, hein. Faudrait pas que les flics nous collent au cul. Mon vieux voulait qu'on laisse un... On se traîne un peu avec le camion là. L'a dit toi-même, pourquoi prendre le risque? Et si j'ai appris quelque chose au Vietnam, c'est que si un type compte te la faire à l'envers une fois... Un des trucs que j'aime pas dans Mafia, j'avais joué au Mafia 2, et c'est vraiment la conduite des voitures. Je trouve que c'est vraiment pas terrible. Quand on est habitué, par exemple, à GTA, on se retrouve sur Mafia, c'est un peu compliqué. C'est beaucoup moins réaliste. Je veux pas me faire serrer comme Al Capone. Pas moyen que j'aille en tôle pour un putain de paplard. Tu vas répondre à ma question, oui ou merde? On était sur la côte de Brunei. On évacue les civils avant que les Viet appliquent dans le coin. Bref, on les a embarqués sur le bateau hôpital. Une femme se pointe en prenant un bébé d'une main et un cochon on laisse de l'autre. On commence à monter la rampe. C'est là qu'un mec de la police militaire l'arrête et lui dit qu'il y a de la place pour deux. Aussi sec, elle balance le bébé à la baille. Le type pète un plomb, envoie un gardien et demande à la bonne femme ce qu'il lui a pris. Tu sais ce qu'elle lui répond? Je pourrais toujours avoir un autre bébé. Ok, d'accord. Elle est sympa, son histoire. Raconter l'histoire d'un mec qui s'était fait exploser le dard. Je m'attendais pas à un truc comme ça. Essaie d'imaginer un peu. Donc la meuf a préféré garder son cochon que son bébé. Sympa. Et d'un coup, tout est cramé au napalm. Si tu mets les gens dos au mur, ils feront n'importe quoi pour survivre. J'espère foutrement que le cochon en valait le coup. Donc comme ça a été dit au début de l'introduction du jeu. Apparemment, il y a beaucoup de propos racistes. C'est par rapport au contexte de l'époque. Hein. Vous en faites pas pour ça. Sinon, au niveau de la carte, ça donne quoi? La carte est assez grande, ça a l'air d'aller. Divisé en plusieurs quartiers. Bon, je suppose que c'est des quartiers qu'il va falloir reprendre. Pas trop chaud pour que tu te bats avec ton arme. J'ai laissé ça sous le siège. Donc nous allons dans une réserve. Là, à voir si ces fausses cartes garde d'identité valent le coup. Oups. Allez, ok, chargement. Ok, donc une réserve fédérale. Il y a le logo banque sur le camion. Poète, je te préviens. Ce sera pas la première fois qu'on me traite de nègre. Tu sais, juste pour info, surtout te vexe pas si je suis le mouvement. Et je suppose qu'on n'est pas employé. Ce c'est qu'on mette la main sur ce fric. Quand je ferai une réflexion sur la chaleur, ce sera le signal. D'accord. C'est parti. Allez. Montrez-moi vos pièces d'identité. On fait partie de l'équipe d'incinération. Équipe d'incinération. Incinération de quoi? Qu'est-ce qu'il fout là, le nègre? C'est pour une histoire de quota. Tu vois le topo? Mais où va ce putain de... T'as de la chance que je peux pas sortir mon arme, sinon je serais pris une balle entre les deux yeux. Ok, donc il faut aller chercher la thune dans le camion. Me suivre. Toi, attrape ces sacs à l'arrière du camion et apporte-les à l'incinérateur. Ah d'accord, donc ils font cramer l'argent. Ok. Combien vous avez en tout? 238 500. Donc a priori, c'est de l'argent qui a été récupéré par la police, j'imagine. Et qui est brûlé parce que c'est de l'argent sale. Merci beaucoup. Donc on va le suivre. Dépose le canoncier. On n'a pas le droit de prendre nos armes. Tant mieux, ça me fera un souci de moi. Vous pourrez le récupérer à la sortie. L'incinérateur est au sous-sol, par ici. Je vous avais jamais vu avant.
Parti en Géorgie. Lui, il vient d'être démobilisé. Ça fait plus d'un an que mon cousin essaie de se faire embaucher ici. Il a été dans la Navy pendant deux services. Il a reçu des médailles à l'appel, mais le gouvernement n'en veut pas. Ah, c'est vraiment la merde. C'est triste de voir qu'un bon chrétien blanc est pas foutu de trouver un boulot, alors qu'un négro lambda a juste à se pointer pour être... Effectivement, c'est sympa les insultes racistes. Ok, allez, ouvre-nous cette porte là, qu'on en finisse. Vous avez pas intérêt à vous tripoter là derrière. Va te faire foutre. Putain, vise-moi ça. Je pensais pas. Ah oui, c'est de l'or. Washington n'arrête pas de le déplacer à cause de la guerre. C'est là, et puis ça part à Dallas, et puis ça revient. Ça serait le casse du siècle. On y est. Ok. On nous enferme. Pose ces sacs sur la table. Pas de soucis. Je vais poser ça. J'avais jamais vu ça. Je pensais que ce serait plus grand. Ça marche plutôt bien. Les seules fois où ça merde, c'est quand le conduit est bouché. Putain, il fait une de ces chaleurs ici. Avant, j'utilisais du charbon, mais on est passé au fioul il y a à peu près un an. Ça maintient mieux la flamme. Un type s'est pointé pour essayer de me faire passer au fioul. Je lui ai dit que ça m'intéressait pas. Ouh. Avec ça, il se relèvera plus, je crois. Qui, celui-là ? Il faut qu'on bouge. Danny et Elise devraient plus tarder. Laisse-moi une seconde. En général, dans les jeux comme Mafia ou Le Parrain, les éliminations sont sympathiques, parfois. Original, tout du moins. Ok, donc il faut faire ça silencieusement. On s'accroupit. Avec cette touche là, on peut voir à travers les murs, on peut voir les silhouettes des ennemis. Tu te rappelles cette maison qu'on a louée ? Ok. Hop. John commence à m'agresser et me dire que sur le bail, ils ont un préavis de 30 jours. Et il me demande. Hop. Petit étranglement. On va récupérer sa mitraillette. Allez, mec. Et on va récupérer. Donc on peut prendre que deux armes sur nous, hein, d'après ce que j'ai compris. Une arme lourde et un pistolet. Allez, c'est le moment de déverrouiller ce coffre. Bon, j'espère que Scalita nous a filé le bon code. Scaletta. Scaletta, c'est le gars qu'il y avait dans Mafia 2, Vito Scaletta. Un petit rapport avec Mafia 2, c'est pas mal. Putain de merde. Effectivement, il y a quoi prendre sa retraite. Occupe de cette pièce, prends ce que tu peux dehors. Une fois que les gars auront percé le trou, on balancera tout ça en bas. D'accord, donc ils veulent percer un trou dans le coffre-fort pour envoyer toute la thune là-dedans. Ah, ça c'était pas prévu, je suppose. C'est toi qui as déclenché cette alarme ? Putain, je savais pas que cette cage avait son propre système. Ok, on va retenir les gardes jusqu'à ce que Danny finisse le trou. Hey, c'est pas encore perdu. Allez, c'est parti. On va enfin pouvoir faire quelques meurtres. On va se mettre à couvert. On va prendre le pistolet. Ok. Oula. Il n'y a pas beaucoup de stabilité dans les mitrailleuses. J'ai pas beaucoup de munitions en plus. J'ai récupéré ce que je pouvais. Ouais. Je crois que
Je vais aller direct là-bas. Ok. On a bien tapé dans la fourmilière. Donne-moi ça. Quand je vais entendre parler ça, mon vieux va l'avoir en travers. Fais chier. Allez, quoi. Tu vois, c'était pas si difficile. Donc on peut crocheter des serrures. Alors, si j'ai bien compris, faut être dans le vert en fait, tout simplement. Ok. Alors, ça a pas l'air d'être compliqué. Munition de pistolet. Et. Oh. Ça, c'est beau. Une grosse mitrailleuse lourde là. T'es un mec, il rigole pas, c'est con. J'ai vu pire au Vietnam. Un peu de fumée, ça fait de mal à personne. Reste près du coffre et surveille la foreuse. Je m'occupe de ces connards. Allez. On va se mettre avec cette vue-là. Samy avait des hommes à lui un peu partout. L'un d'eux qui travaillait dans un pressing a volé les uniformes que John. Donc si j'ai bien compris au niveau des cinématiques qu'on peut voir, en fait l'histoire de Lincoln c'est en mode flashback. C'est-à-dire que les cinématiques qu'on voit c'est un genre de reportage après l'histoire de Lincoln. Rien n'aurait été possible sans l'implication de Sammy Robinson, de Lincoln Clay et du reste de la mafia noire. Ok, là, donc on revient en fait juste après le retour du Vietnam de Lincoln. Tu reviens du Vietnam ? Ouais, c'est ça. J'ai été marine dans le Pacifique. Crois-moi, la guerre, c'est pas en rentrant chez toi que t'en reviens. Tu comprends? Les gens ici, ils comprennent pas. Ils comprendront jamais. Mais fais gaffe et évite les emmerdes. Désolé pour le retard. Il y avait des bouchons sur le pont. T'en fais pas pour ça. Excusez-moi, monsieur. Je cherche mon demi-frère Lincoln Clay. Vous l'avez pas vu par hasard? Vous savez, c'est le genre à s'énerver dès qu'on... Donc, Ellis, c'est le demi-frère de Lincoln. Ah, le voilà. C'était comment le voyage? Eh ben, c'était la première fois en 4 ans que personne me disait où je devais aller, ni ce que je devais faire, ni comment je devais le faire. C'était le putain de pied. Bon, c'est le début du jeu, vous en faites pas, hein. Il y a beaucoup de cinématiques au départ pour mettre en place l'histoire. Ça ira un peu mieux dans les prochains épisodes, je pense. Complètement à côté de la plaque. Ouais, comme d'hab, quoi. Merde, mon frère, t'as même pas idée. Putain, Ellis, elle est impeccable. Exactement comme je l'ai laissé. Même moi, je sais qu'il faut pas déconner avec ta caisse. Bon, allez. On rentre à la maison. Donc faut qu'on mette un petit objectif. La voiture est sympa en tout cas. La voiture de Lincoln. Comment va Sammy ? Qu'il avait laissé avant de partir au Vietnam à son demi-frère. Et si l'avion s'écrase, et si le train du retard, et s'il le rappelle. Ensuite, il se plante devant la fenêtre de la cuisine et il sirote son whisky. Comme s'il s'attendait à devoir débouler sur le trottoir. Lui dis pas que je t'ai raconté tout ça. T'inquiète. Il ira mieux quand il t'aura vu. Depuis maman, tu sais comment il peut être. Je me suis trompé, j'ai pas fait gaffe, j'étais en train de lire les sous-titres. Ok. Donc là, techniquement, on doit tout simplement rentrer chez nous.
et retrouver notre père. Beau-père, je sais pas, j'ai pas trop compris. Donc un peu comme dans GTA, il y a des policiers en civil, enfin des policiers à pied et en voiture qui se baladent dans la ville. Bon, a priori pour les attirer, il faut vraiment tirer des coups de feu devant eux, leur entrer dedans ou entrer dans les voitures des autres juste devant eux. C'est pas parce que vous êtes en excès de vitesse ou que vous grillez un stop qu'ils vont se mettre à vous poursuivre. Et que c'est honteux de vendre de la cam sous les yeux des enfants du quartier. On vend pas de cam aux enfants. Comme si t'avais du fric pour se la payer. Non, blague à part, l'héroïne, c'est du sérieux. Connaissais 2-3 types au Vietnam qui en vendaient. Ils ont fini par défriser quelqu'un qu'il fallait pas. Et on les a retrouvés la gorge tranchée. Donc Sammy et Ellis, apparemment, c'est des petits mafieux qui sont un peu d'argent. Georgie dit qu'il sait comment faire pour que son père sache rien. On touche pas à Delray ni à Fisco. D'accord. Au quartier français. Donc, le loup de Georgie dira que donc Sammy et Ellis, Sammy, donc c'est le demi-frère de Lincoln et non. Ellis c'est le demi-frère de Lincoln et Sammy c'est son père ou son beau-père et apparemment il contrôle un quartier, le quartier noir je suppose, de la ville. Ok. Donc c'est ici. Demandé de ramener Lincoln Clay à la maison. Pas le grand nègre qui l'a bouffé. Cause toujours le vieux. Au moins là où j'étais, il savait cuisiner. Bienvenue à la maison, fils. Comment tu vas? Plutôt bien, mais ça ira mieux quand j'aurai bu un bon verre. Ah, t'as toujours adoré le whisky de maïs. Je voudrais porter un toast. Mon père avait l'habitude de dire que la vraie valeur d'un homme se mesure à la trace qu'il laisse dans ce monde. La première fois que Lincoln m'a dit vouloir rejoindre l'armée, j'étais contre. Trop dangereux, j'ai dit. Laisse ces gens mener leur propre guerre, je disais. Et puis j'ai pris conscience que Lincoln avait besoin d'aller laisser sa trace. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Je suis fier de toi. Pour Lincoln, bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. Bon là, je pense qu'on va en rester ici pour ce premier épisode. Si ça vous a plu et que vous voulez la suite, y a pas de souci, j'en ferai d'autres. Si jamais vous voulez dans les prochains épisodes que je passe les cinématiques, dites-le moi dans les commentaires aussi. Et je vais vous laisser sur la fin de cette cinématique. On se revoit très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Bye. Imaginez que vous êtes coincé dans une pièce sombre, sans aucune issue. Toutes vos peurs et tous vos cauchemars sont enfermés avec vous. Aucune échappatoire. Vous êtes seul. Et puis, un jour, une porte s'ouvre et vous pouvez partir. Comme ça. Sauf qu'entre-temps, vous avez fait la paix avec vos terreurs, avec la mort. Et une part de vous a peur de les abandonner. Mais est-ce qu'on a le choix? Tout soldat doit franchir cette porte, d'une manière ou d'une autre. Putain, ce whisky va faire mal à la tête demain. Eh, va pioncer, ça ira mieux après. Ta chambre est comme tu l'as laissée. Je vais dormir à la cave.
La cave? Qu'est-ce que tu veux aller foutre à la cave? Allez, bonne nuit, petit con. Putain, mec, la guerre t'a vraiment retourné le cerveau. Tell your friend, tell your friend.